Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de PVP. Eh bien non, pas de PVP, pas de player versus player, ou peut-être que si. Ou peut-être que si, parce qu'aujourd'hui, on va encore parler des Portes de l'Âme, le jeu des 54 cartes. Alors, je vais rapidement réexpliquer c'est quoi ce jeu, mais si vous voulez l'explication complète de comment jouer, regardez la première vidéo des cartes. Le concept, c'est il suffit d'acheter un paquet de cartes, de la pâte à fixe. En gros, faut coller les cartes sur le mur, à peu près dans l'ordre, dans une forme jolie, et retourner une, deux, trois cartes par jour. Comme ça, pendant quelques semaines à max 2 mois, vous voyez des transformations que je vais expliquer plus ou moins maintenant. La vidéo pour jouer, c'est pas ici. Mais ici, c'est la vidéo où on va vous expliquer comment ça marche, ce jeu de cartes. Du coup, déjà, je vais vous dire un truc. Je suis pas là en train de vous dire, oui, depuis que j'ai commencé le jeu de cartes, non seulement j'ai perdu 45 kilos de poids plume en 2 minutes chrono, mais seulement je peux faire des squats à l'infini à partir du moment où j'ai 2 dollars et j'ai fait 5 figures de chiffre d'affaires à partir du Bitcoin qui s'écoulait de mon oreille pendant que je vous expliquais comment ça marche. Non, c'est pas ce délire-là. Moi, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu moi par rapport à ça et les explications que j'ai pu avoir, mais c'est surtout des explications que les gens m'ont données quand j'ai essayé de leur expliquer le jeu. Des gens qui voyaient une vision plus psychologique ou logique ou neuronale de comment marcherait ce jeu. Du coup, la vision psychologique. La vision psychologique est que devant vous, vous avez un mur avec 54 cartes collées. Et si vous partez du principe que, comme Carl Jung l'a dit, il y a des archétypes, les archétypes sont des parts de nos personnalités, les différents visages que l'on peut avoir. On est tellement complexe qu'on a une infinité de visages, et il n'y a aucun visage qui est notre vrai visage. Mais le fait de séparer notre personnalité, parce que c'est ça ce qui se passe. Quand votre cerveau il va toujours avoir l'image derrière les cartes, il va se passer ce qui se passe habituellement. Le mouvement naturel de votre cerveau et la forme de votre pensée, qui imprime au final votre personnalité, va commencer à se libérer sur les cartes. C'est comme si le fait de regarder les cartes, elles vont faire partie de votre esprit. Surtout, de préférence, mettez les cartes dans votre chambre ou un endroit où vous pouvez souvent les regarder. En plus, c'est un joli décor des cartes. Votre cerveau va commencer à séparer son identité et sa personnalité dans 54 cartes différentes. Et à partir de ce moment-là, Sensei Hisoka, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, tout simplement, vous n'avez rien besoin de faire. C'est ça le truc le plus fou. C'est que le travail qui va se passer à l'intérieur de vous va se passer dans votre subconscient. Vous, tout ce que vous allez devoir faire, c'est retourner des cartes qui correspondent à des aspects de personnalité. Et quand vous avez retourné toutes les cartes, c'est comme toutes les choses que vous voyez de vous-même et du monde, parce que tout est lié, l'intérieur et l'extérieur. Au moment où toutes les cartes seront retournées off, vous allez comme sentir un sentiment de repos en vous, en mode ah, j'ai fini ce truc. Et puis quelques jours plus tard, quand vous vous sentez prêt, vous allez commencer à re-retourner les cartes. Mais à partir du moment où vous les retournez pour les voir devant vous, c'est pas un rythme de une, deux ou trois par jour, c'est un rythme où vous pouvez retourner le paquet en un jour ou deux, où vous pouvez prendre plus de temps, vous prenez le temps qui vous est nécessaire pour retourner les cartes. C'est vrai que retourner toutes les cartes d'un seul coup comme ça, comme un con, ça servira à rien. Mais retourner une carte par heure pendant quelques jours ou deux, trois cartes quand vous êtes chez vous ou des trucs comme ça va vraiment vous permettre de revoir des parts de votre personnalité face à vous. Genre, le concept, c'est que vous êtes dans un jeu où il y a deux dieux qui jouent au professeur et à l'élève. Du coup, quand je dis deux dieux, c'est une illusion. Vu que le concept de Dieu part du principe que c'est l'unité, quelle que soit la religion ou la vision de la chose, Dieu, c'est considéré comme l'unité. Du coup, c'est impossible qu'il y ait deux dieux. Mais il y a quand même l'élève et le professeur qui jouent ensemble. Il y a quand même une leçon qui s'apprend du fait de voir sa personnalité sous différents angles, d'avoir pour la première fois une vision extérieure sur qui on est et comment on se définit et quelles sont nos habitudes de pensée. Les choses qui nous définissent, qui au final font ce qu'on pense, mais ne sont pas qui on est à l'intérieur de nous. Parce que nous ne sommes pas nos pensées, mais la conscience extérieure, ou intérieure plutôt, qui observe la pensée. On est l'observateur dans tout ça.
Du coup, quand vous allez avoir le jeu des cartes qui passe devant vous, il va y avoir deux choses. Vous allez en même temps avoir l'impression à des moments d'être l'acteur et à d'autres moments d'être le spectateur. Mais au fond de tout ça, vous n'êtes ni l'acteur ni le spectateur, vous êtes la conscience derrière tout ça. L'innommable. La chose sur laquelle on ne peut rien dire. Et le fait de commencer à jouer avec les cartes, ça va vraiment vous permettre de créer une sorte de flexibilité dans votre cerveau pour vous voir différemment et pour pouvoir laisser interagir l'univers, la magie de Dieu, la magie la magie de la vie, la magie de tout. Là, genre, on ne peut pas poser de mots sur ça avec vous. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous allez entrer avec votre âme dans un jeu et vous dire à vous-même « je joue pour découvrir mon âme », votre âme, elle va vous montrer toute l'étendue du jeu. C'est comme toi, si tu vas dans, je sais pas, t'es un petit gosse, tu vas je sais pas, mec, tu vas à Disney ou une connerie comme ça, ou Magic Park pour les vrais, et quand t'es là-bas, tu t'attendais juste à jouer un jeu à la con, mais tu trouves qu'il y a plein de jeux, des délires, des dragons et tout, et c'est un délire comment tu t'amuses si t'es jamais parti avant, où t'as l'impression de t'aller juste partir dans un grand parc pour enfants où il y aurait deux balançoires et trois toboggans, tu vois. Du coup, c'est vraiment ça qui va se passer. Vous allez avoir l'impression de commencer un truc tout petit, mais vous allez vous retrouver dans un truc de malade, genre vous êtes même pas prêt. Mais après, honnêtement, je vais pas forcément faire... Quel est le mot déjà ? Apologie ! Oui, voilà, faire l'apologie de ce jeu, parce que ce jeu vous fait aussi passer par des moments très dark. Toutes les choses que vous voulez pas vous avouer à vous-même, toutes les choses qui vous montrent que vous n'êtes pas forcément dans le droit chemin, mais vous continuez à marcher dans la vie avec des œillères, à marcher tout droit avec le bâton et la carotte, ça va vous enlever ça. Et le fait de plus avoir des œillères, un bâton et une carotte qui vous font partir dans une direction que toute la société prend, ça, c'est assez violent, parce que concrètement, tu te retrouves tout seul, perdu d'un seul coup. Genre, c'est comme, je sais pas, être habitué à marcher avec des gens, ou même tu peux prendre l'idée du mouton, même si... Il y a plein de gens qui vont se vexer. Mais quand t'es avec des moutons, bah t'es avec plein de moutons. Tu t'en bats les couilles que tout le monde marche dans une direction de merde. Genre, tu t'en fous. Mais si t'arrêtes de suivre les moutons, bah y a plus de moutons autour de toi. T'es tout seul perdu dans une forêt. Du coup, ouais, t'es libre, mais ouais, ça fait flipper de ouf. Du coup, ce que je veux dire, c'est vraiment soyez prêts quand vous commencerez ce jeu à vraiment vous dire j'ai envie de vivre une expérience qui va changer ma vie, qui va me permettre de... rapprocher de mon âme, mais qui va quand même me faire vivre des choses complètement folles et peut-être terrifiantes par certains moments. Et voilà. Du coup, des choses, moi, que j'ai vécues avec cette expérience, j'ai vécu tellement de choses que j'ai même pas envie de les décrire parce que c'est des choses vraiment personnelles. Je sais pas, par exemple, des choses que je peux vous raconter, c'est par exemple quand je retourne, par exemple, le roi de carreau, il est souvent le roi de carreau de côté, comme ça, on le voit que de côté, et il a une hache, mais au moment où je retourne la carte, j'ai l'impression de porter la hache, de sentir avec la puissance de la hache, et en même temps de sentir le coup de la hache sur mon âme. Genre, c'est ce genre de profondeur, de sensation que vous commencez à vivre avec les cartes. Et quand vous allez retourner les cartes, autant au début, vous n'allez pas trop comprendre ce que vous faites. Genre, vous allez retourner une, deux cartes par jour au feeling. Mais vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe. Mais quand vous allez vous approcher de plus que la moitié du paquet, quand vous allez faire plus que la moitié du travail, vous allez comprendre que les cartes que vous choisissez, elles ont un rôle. Genre, vous ne vous rendez pas compte, mais la première fois que vous jouez, vous prenez des décisions de malade, complètement, aléatoirement. Genre, toutes les décisions qui, après, c'est votre intuition qui va choisir les cartes, la première fois, c'est souvent de l'aléatoire. Du coup, c'est pour ça que c'est un jeu, tu commences un petit peu en mode « What the fuck, c'est quoi ce truc ?» Mais au moment où tu retournes toutes les cartes, tu te sens paisible, tranquille, et tu te dis « je me demande pourquoi j'ai fait ça ». Et après, tu te dis « ça y est, maintenant, je dois juste pas toucher le jeu de cartes quelques jours, une semaine, un truc comme ça ». Et quand tu touches pas le jeu de cartes et que tu reviens et que tu le retournes, au début, genre, les premières cartes que tu retournes, tu te dis « bon, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon temps ». Genre, ton cerveau, il commence à réfléchir, il dit « mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le fait que le cerveau réfléchisse, ça le met dans une zone où il peut se remettre en question. Et quand il commence à se remettre en question, le subconscient tout seul fait le travail de s'adapter avec les informations qu'il reçoit des nouvelles cartes qui s'ouvrent. Voilà, voilà. Et pour ceux ici, les amis qui croient aux synchronicités, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec mon dernier paquet. Le paquet bleu que j'ai offert à un ami à moi qui a été fortement intéressé par ce jeu de cartes et qui a commencé à y jouer il y a peu de temps. Qui a commencé hier, si je pense bien. Enfin, hier, il a installé les cartes. Je pense qu'il n'a pas encore tourné. Du coup, Karim, KKK. Bonne chance. Good luck for this game, for real.
Et bonne chance aussi à tous les gens qui sont en train de commencer ce jeu. Parce que vraiment, il vous faudra de la chance au début. Sincèrement. La dernière carte que j'ai piochée, c'était la reine de carreau. Je mets toutes les cartes sur le mur. Je ne regarde plus mon cahier, ou là où il y a les numéros des cartes piochées. Et je retourne toutes les cartes. Et la dernière carte que je retourne, on va dire dans sa tombe, en mode off, c'est la reine de carreau. Du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est juste mon cerveau, il s'est rappelé que la dernière carte, c'était la reine de carreau, et puis qu'il a retourné la reine de carreau en dernier. Rien d'impressionnant. Je suis allé voir mon oncle et mon cousin, voir ma famille, et quand je rentre dans la chambre de mon cousin, il y a un paquet de cartes qui dépasse. Je m'approche, la première carte qui dépasse, c'est la reine de carreau. Je me dis, ah, c'est pas une coïncidence. Je vois une autre carte qui dépasse, je me rapproche, encore une reine de carreau. Je me dis, bon, là, ça peut pas être une coïncidence, ça m'a limite fait chier. Je passe la nuit tranquille et tout, le lendemain matin, je me réveille, genre la première chose que je pense, c'est que ça m'a énervé ce truc des cartes. Je vais chez le paquet de cartes et je retourne moi-même une carte. Et quand je retourne une carte, c'est encore une putain de reine de carreau. Voilà. Et après, ça m'a énervé, j'ai retourné une autre carte, et l'autre carte, c'était le 7 de pique. Et le 7 de pique, c'est une carte qui me suit toujours. Une fois, j'étais sorti de chez moi, je trouve le 7 de pique dans la rue, et il y a quelqu'un qui vient qui me dit « Ah, si t'as gagné au loto, on partage !» Et cette personne essaie de faire un mia-mia avec moi, et à la fin, je vois que le gars, il voulait, je sais pas, me kidnapper ou m'attaquer ou je sais pas quoi. Du coup, je me suis barré en courant avec ce 7 de... Si j'ai dit de carreau, j'ai menti, parce que c'est le 7 de pique. Ouais, c'est la reine de carreau, mais la carte de Colipi, la carte de Colipi, sa mère, c'est le 7 de pique. Et du coup, voilà, bah, ce 7 de pique, c'est comme s'il m'a montré, c'est comme si l'univers limite, il m'a dit, écoute, je pourrais te montrer des reines de carreau à l'infini que tu comprendrais pas. Alors, je te montre, genre, je t'en fais 3 que t'aurais pas pu prévoir, et je t'en rajoute une. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais... Genre, si vous croyez dans les signes et les synchronicités de la vie, mais là, c'est pas un délire de signes et de synchronicités, c'est vraiment vous êtes en train de partir dans l'équation du nombre parfait. Genre, je sais pas comment expliquer, mais vous êtes... vous vous approchez tellement proche de la réponse, mais tellement avec un mouvement de question, que c'est même pas des signes, c'est l'univers qui va commencer à vous prouver par A plus B l'existence de votre âme. Et vous, avec votre mental, votre ego, vous allez toujours la remettre en question. Mais vous, avec ce jeu de cartes, vous allez commencer à vivre la vie va vous prouver la magie qui était cachée en vous quand vous étiez enfant et que vous avez commencé à renier en grandissant. Voilà. Du coup, sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent jeu. Tan. Et une bonne chance. N'oubliez pas de mettre votre énergie dans les cartes et de jouer avec votre âme, de jouer avec votre cœur et de vous libérer et de vous laisser vous remettre en question. Et si le jeu vous fait peur, si ça commence à vous faire flipper, bah c'est peut-être parce que c'est en train de vous faire évoluer et que le changement, c'est pas facile. Sur ce, les amis, je vous laisse sur des petites musiques, vidéos du Soka et je vous dis hasta la vista. Bye bye. Oh yeah, Maria.